Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante ta gloire, et sur un sourd chante sa louange de gloire. Terre entière chante sa joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu qui ne refuse une prière. Béni soit Dieu qui n'a jamais repris sa tendresse. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Terre entière, toutes les nations de la terre chantent la gloire de Dieu. Préparons-nous à chanter ces merveilles, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 15, versets 14 à 21. Je suis convaincu, mes frères, que vous êtes très bien disposés, remplis d'une haute connaissance de Dieu
et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Si, malgré cela, dans cette lettre, je me suis permis, sur certains points, de raviver votre mémoire, c'est en vertu de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre de Jésus-Christ pour les nations païennes, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, pour que les païens deviennent une offrande acceptée par Dieu, sanctifiée par l'Esprit-Saint. En Jésus-Christ, j'ai donc de quoi m'enorgueillir pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais pas parler s'il ne s'agissait pas de ce que le Seigneur a mis en œuvre pour moi, pour amener les païens à l'obéissance de la foi, la parole et les actes, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit-Saint. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. J'ai mis cependant mon bonheur à m'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais je voulais me conformer à cette parole de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait jamais annoncé, ils verront. Ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, ils comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier dans le psaume 97 et nous disons ensemble, Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Qu'il vous plaise de vous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, amen. Alléluia. La parole de Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait encore à ses disciples,
Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois envoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'est montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Seigneur, ta parole est chemin vers le ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parabole du gérant habile. Saint-Luc rapportez-nous une très belle parabole de Jésus. Et dans tout l'évangile, c'est seulement Saint-Luc qui rapportez-nous parabole ça. L'homme riche qui fait l'éloge du gérant habile. Pour nous capables de bien comprendre la parabole, ça, nous allons accentuer nous sur deux mots. Premier mot, c'est gérant. Et deuxième mot, c'est avenir. Gérant, avenir. Un homme riche sorti. Li ba yon moun jere bien lyo. Li sorti, li oblige ba yon moun jere bien lyo parce que le pape kapab jere l pendant que le pa la. Sa vin fait que moun kap jere ya, li gen deux possibilités. C'est ou bien le font bonne gestion, ou bien li al kalmende parce que le pa konn ki le met li a vini. Bon. Il prend plaisir. Peut-être qu'il met dans la tête que mettre la prend temps pour venir. Ou bien l'homme riche là, a prend temps pour venir. Donc, il prend plaisir. Et dans prend plaisir, ça vient faire que la font mauvaise gestion parce que il pas concentré là que ça l'a fait. Donc, la font mauvaise gestion.
Et voilà que nom riche là, yo dit que nek sa ou bay gérer bien yo, la fait une mauvaise gestion. Attention, ra les oreilles. Mais tellement gérer bien ou mal, il tellement fait une mauvaise gestion. Nom riche là, relel pour le faire comprendre que ou a vinn bon compte de sa bon gérer hein. Ou bien après un petit temps ou pas dans place là encore, m'a prévoqué ou. Nom riche ça, c'est qui est lié? Nom riche là, c'est bon Dieu, c'est grand maître là. Gérant, c'est qui est lié? Gérant, c'est moi-même. Gérant, c'est vous-même. C'est nous chacun qui là. Qui ça, jeune homme riche là, te baye gérant, garde pour lui, gérer pour lui? C'était bien. Pile bien le gagné yo. Peut-être jardin raisin et tout l'autre bien que le gagné yo. Et nous-mêmes, qui ça bon Dieu bon nous gérer? Bon Dieu bon nous gérer la vie nous. C'est monde qui pas intelligent qui pensait que c'est propriétaire de vie ça l'a géré ya. Mais monde qui réfléchit bien, monde qui intelligent, l'a connaît que devant bon Dieu, la ville va pour lui. Bon Dieu, c'est gérer la ville et à n'importe quel moment, bon Dieu est capable de mander le vie ça. Parce que vie ça ou vivre là, li pas pour vous. C'est gérer ou gérer vie ça. Vie ça, c'est pour bon Dieu. Ça fait penser avec belle parole. Apôtre Paul t'a dit Romain, yo que t'a côté hier, qui dit que quitte ma vivre, quitte moi mourir, c'est pour bon Dieu. La vie m'pas pour moi, l'homme m'pas pour moi, ni la vie ni l'homme, tout c'est pour bon Dieu. Donc, comprendre que vie ça que vous avez mené, vie ça pas pour vous. Et que c'est bon Dieu lui-même qui va gérer vie ça. Même Jean, nom riche là, mandé gérant compte de bien yo, c'est comme ça un jour, bon Dieu gagne pour le mandé au compte de la vie pao. Et là, nous trouvons notre deuxième point qui c'est avenir. Notre avenir, de quoi s'agit-il vraiment? Jeune homme riche là qui est en connaît que Obral dépossédé de sa route à Algérie, Obral déresponsabilisé, qui ça le fait? Il fait plusieurs calculs. Il dit, je ne suis pas capable de gérer grosse bagaille ça, pile paquet de bagaille ça, et puis quand je m'a demandé, ma honte. Ou bien je ne suis pas capable de gérer toute bagaille ça, et puis c'est la terre que je travaille. Je commence à entrer dans l'âge, je grand monde, donc je pas capable. Mais pendant que je suis là toujours, pendant que je suis là pour que je me dehors, je montre ma bile avec si là, qui doit mettre moyen, qu'on s'en les mettre moi, je me dehors, puisque je suis bon avec mon sa yo, mon sa va recevoir, moi, il n'y a pas que him. Ça le fait, c'est malhonnête. Donc, action le poser, c'est malhonnête. Mais réflexion le fait, son réflexion de un monde qui est très, très habile. C'est un monde qui est loin. C'est un monde qui calcule bien. Et qui ça calcule ça veut dire pour nous, nous-mêmes chrétiens? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, frère et soeur, ou par contre, combien de temps on gagne pour gérer la vie ou à gérer? Ou est-ce quantité de jours fait? Ou quand qui l'âge ou gagne, ou quand combien d'années ont passé? Quantité de jours qui restent pour vivre ou pas qu'on est. Personne moun pa kapab di m rete tant ane pour vivre. Ou pas capable. Donc ou pas qu'on est combien de temps rete pour vivre. Même Jacques Gérant qui connaît jour yo compté. C'est comme ça tout même faut qu'on comprendre, faut qu'on apprendre qu'on est que jour compté. Même Jean Gérant pas dit ma gen temps. Gérer tête moi pour pas mettre me dehors ou bien pour le remettre me dehors mon côté malé c'est comme ça pour même tout capable dire bon m'apprendre gérer reste jour que me gain pour me confier là bon Dieu parce que bon Dieu créé pour un avenir éternel mais puisque bon Dieu qui est libre c'est vous même qui connaît est-ce qu'on va rentrer dans la vie éternelle ça ou bien est-ce qu'on va quitter l'avenir incertain et le bon pour vous c'est intelligent sous travail pour un avenir
éternel. Bon Dieu, voulez que vous ayez un avenir qui est assuré. La pas assuré, c'est l'avenir bon côté, bon Dieu. Et qui ça vous fait pour avenir qui est bon côté, bon Dieu? C'est toute potentialité que bon Dieu mettait la caillou, déposer la caillou, pour servir avec vous, pour la gloire de Dieu. Toute valeur que bon Dieu déposait la caillou, c'est pour capable faire yo fructifier, donner, by fruit. C'est comme ça seulement qu'on peut montrer que habile. Tu restes ton gain pour vivre là, vive-le pour bon Dieu, vive-le dans bon Dieu, vive-le avec bon Dieu. Maintenant, comment on fait capable vivre-le pour bon Dieu? C'est là où on mette au nom service frère ou avec sœur. C'est là toute capacité bon Dieu ba ou yo développer yo pendant que on mette au nom service pour chez. C'est façon ça seulement ou capable montrer son gérant qui habile. C'est façon ça seulement ou capable prendre conscience tout bon que la vie ça ou mener hein, c'est pas la vie pas ou pas propriétaire de vie ça, mais ou c'est garant ou c'est gérant de vie ça, et que un jour ou bien l'autre bon Dieu qui pour le mando compte de vie ça. Et comment on peut paraître devant mon Dieu pour dire mon Dieu, on va travailler tant que petit, on va travailler tant que missionnaire, on va travailler tant que chrétien, on va travailler tant que baptisé, on va faire une bonne gestion de son démon gérien, de vie. Attention, frère et sœur. Comme vous faites qui dit, il y a un jour pour chasseur, il y a un jour pour gibier. Je dis, c'est pour vous. Ou capable peut-être faire tout sauver, ou pense qu'on capable faire tout sauver. Avec vie ou gain, je dis, avec ton gain devant, je dis, mais qu'on le cas privé, ou pas capable de faire rien. Et pas quitter le moment, ça arrive pour le prendre en mauvaise condition. Bon Dieu, parfois, c'est personne, non? Mais le tracer un chemin pour vous le dire, donc, c'est à mieux, c'est à bien, sont capables de porter ou de ça. Parce que souffrir, c'est pour bonheur. Souffrir, bon Dieu, à content. Parce que le vrai bonheur pour les créaux en vue du bonheur. Pas virer d'eau, bah, bon Dieu. Et gérer la vie au bien. Servir, bon Dieu. Vraiment, bon Dieu. Servir, frère, acteur. Servir, prochain. Mettez-vous dans service, grand maître là, tout cœur. Pendant que vous avez développé la caillou, toute vertu le déposer, toute potentialité, toute faculté, lui mettez la caillou pour vivre bien. Avec frère, avec sœur. Pendant toute Eucharistie, ça, on demandait, bon Dieu, la grâce d'une gérance habile pour que nous soyons capables de travailler tout bon vrai pendant que nous avons pensé à l'avenir ou non. On demandait, bon Dieu, la grâce pour nous profiter, bien profiter de temps sans rien, là, qu'on est là. Pour être capable de bien préparer l'avenir ou non. On demande, bon Dieu, faveur ça, grâce ça, pour nous capable de vivre pour lui. Pour ne pas jamais suspendre, vivre dans lui. Vivre avec lui. Faire une avec lui. Pour que le bon Dieu va demander nous compte de la vie, non? Pour que l'aile va demander nous. Ou bien il va retirer gérance la vie, ça n'en met non. Autrement dit, l'elle va relayer nous pour nous aller réjouir avec lui, la Kaeli. L'elle va relayer nous pour nous capables à le fêter avec lui, à le festoyer dans le grand festin ça qui est préparé pour nous. Profiter de temps ça pour préparer l'avenir, pour préparer demain. Et surtout, pas jamais dire à bien temps. Je dis assez pour vous, demain pas pour vous. Et ne remettez jamais ce que vous devez faire aujourd'hui. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est vous remettre entre les mains de Dieu qui vous attend maintenant, aujourd'hui même et tous les jours de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous prenons la prière pour qu'on y là pour toutes les feuilles. Nous connaissons que moi, novembre blanc, c'est moi pour nous la prière pour défunt, yo. Donc, nous allons faire litanie pour les fidèles défunts, pour que bon Dieu capable de libérer, yo, du purgatoire et accueillir, yo, la caille, yo. Après chaque intention, on va chanter ensemble. Oh, non, tout le monde ensemble. Oh, dans le ciel, songez petit au grand maître. Songez petit au litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de Fils nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour les fidèles défunts. Mon Saint-Ange et l'Ange des fidèles défunts, priez pour les fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux, priez pour les fidèles défunts. Saint Joseph, priez pour les fidèles défunts. Saint Jean-Baptiste, priez pour les fidèles défunts. Vous tous, saints, patriarches et prophètes, priez pour les fidèles défunts. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour les fidèles défunts. Vous tous, saints apôtres évangélistes, priez pour les fidèles défunts. Saint Étienne, priez pour les fidèles défunts. Saint Laurent, priez pour les fidèles défunts. Vous tous, saints et martyrs, priez pour les fidèles défunts. Saint Grégoire, priez pour les fidèles défunts. Saint Augustin, priez pour les fidèles défunts. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour les fidèles défunts. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour les fidèles défunts. Sainte Anne, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les fidèles défunts. Sainte Catherine, priez pour les fidèles défunts. Sainte Ursule et vos compagnes, priez pour les fidèles défunts. Vous tous, vierges, saintes et saintes veuves, priez pour les fidèles défunts. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Soyez leur propice, pardonnez-leur, Seigneur, soyez leur propice. Exauce-les, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, exauce-le, Seigneur. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre plaie sacrée, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre ignominieuse mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, ayez pitié des fidèles défunts. Exauce-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Exauce-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine que méritent leurs péchés. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Exauce-nous, Seigneur. Daignez les transporter au lieu de la paix et du repos éternel. Exauce-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exauce-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exauce-nous, Seigneur.
Daignez les rassasier de la plénitude infinie de vos bontés. Exauce-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Exauce-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exauce-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exauce-nous, Seigneur. Daignez recevoir en miséricorde les âmes pour qui plus personne ne prie. Exauce-nous, Seigneur. Daignez, Seigneur, les retirer des flammes et les faire bientôt conduire par les anges en la terre des vivants. Exauce-nous, Seigneur. Pardonne l'honneur au bon Jésus, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pardonne-leur au bon Jésus. Exaucez-les au bon Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Exaucez-les au bon Jésus. Accorde à ces pauvres défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Accorde à ces pauvres défunts le repos éternel. Prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et venons le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté.
dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, mon Dieu, digne de louange, à lui l'honneur, la puissance et la gloire. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, digne de louange, à lui l'honneur, la puissance et la gloire. Hosanna, 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 ô Seigneur. Hosanna, 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 ô Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Avec nous les saints, nous chantons ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Avec nous les saints, nous chantons ton nom. Hosanna, 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 Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas recueilli au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sauve-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, notamment pour toutes les personnes pour qui on a recommandé cette messe. Et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Amen. Show.
me paix. Ensemble, le Seigneur.
de plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'elles promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Nous dit bonne fête à Elisabeth Germélie-Mentor, Fabrice Noël Pierre Toussaint, Monsieur Gérard Sandro Antoine, bonne fête à Osna Nelson, Wilfred Fanfan, Jonan Joseph, Roselyne Bord, Monsieur bonne fête à Wilfred Fanfan, Marie-Louisa Eliguerre, Christelle la Douceur, Esther la Douceur, bonne fête à Jasmine Pierre et bonne fête au révérend père Franz Price. Tout le monde qui est là, qui a fêté, qui a vu la messe là avec nous, qui a fêté, nous disons tout bonne fête. C'est pour bénédiction, mon Dieu, couvrez-nous. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Ayez cette habileté comme ce gérant habile, afin de pouvoir préparer son avenir, l'avenir éternel, là où Dieu nous attend tous. Bonne et sainte journée à chacun de vous. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde, le cœur de Dieu est grand comme la mer, le cœur de Dieu envahit le monde, le cœur de Dieu remplit l'univers. Un beau jour, il est arrivé, par la porte, c'est lui qui frappait, il est entré. Je suis venu illuminer ta vie. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de envahit le monde, le cœur de Dieu remplit l'univers.